comment allez-vous mes chers Méli Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, aujourd'hui, le girls group coréen Craxy nous revient avec un troisième mini-album qui s'intitule... Oh, attention mon anglais merdique. Oh hey hey... Oh em... Hem hi. Oh, soit, vous avez compris. W-H-O, séparation, A-M, séparation, I. C'est plus simple, je pense. Et aujourd'hui, ils nous sortent pour ce troisième mini-album, le MV Undercover. Après, je suis un peu dubitatif parce que au niveau du site où il y a deux sites où je vois mes sorties, je vois que nous avons aujourd'hui donc le MV Undercover, mais je vois aussi que le 1er, le 8, le 16 et le 23 septembre, nous aurons des MV pour les autres titres de ce troisième mini-album. Il faut savoir que j'ai été voir, le troisième mini-album est sorti sur les plateformes, notamment celle que j'utilise, Apple Music. Donc voilà, est-ce qu'on aura donc des MV successifs malgré la sortie complète du MV, enfin de l'album? Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pas écouter l'album après déjà ma réaction de leur titre phare Undercover, parce que si j'écoute le reste de l'album, bah si vraiment les MV sortent comme ils disent ici sur mon site le 1er, le 8, le 16 et le 23 septembre, bah alors ce serait plus vraiment une découverte. Faut savoir que Craxy, c'est un groupe que j'aime beaucoup, un groupe très badass et un petit peu rock également. Ils font beaucoup de choses qui sont très sombres et parfois qui est très longue, avec vraiment des histoires intéressantes, une suite d'histoires intéressantes. Donc oui, c'est un des comebacks que j'attendais le plus aujourd'hui. Bon, j'attends impatiemment celui des On and Off. Vous le savez très bien que le boys group fait son service militaire, mais avant de partir, ils nous ont sorti un MV comme ça et un album spécial. Donc je peux vous dire que j'ai très hâte d'être tout à l'heure pour y réagir. Mais en attendant, réagissons à Craxy et leur titre Undercover. Voilà, il y a parfois ça va l'anglais, mais il y a des jours où il y a des mots parfois, ça ne va pas. Voilà, comme le titre de l'album, pas moyen de le lire. Let's go, let's go. On voit un long serpent tout autour. Ouh, tiens, mazette. Oh, je me graverai en toi, ok. Oh! J'ai pas peur des serpents parce que quand j'étais en Thaïlande, j'en avais un gros autour de moi et c'est tout doux en fait. Ça m'a même des petits bisous, c'était trop mignon. J'aime vraiment parce qu'il y a vraiment un côté sombre. Je devrais tout savoir. Oh, il y a de l'eau! Il y a même des serpents en boucle d'oreille. Ouh, la queue. Leurs tenues sont géniales aussi. Ouh. Oh, crime, c'est comme un crime. Mais un crime de quoi? Waouh, waouh, waouh. Vous avez... le couplet, un refrain et un refrain bis, on va dire ça comme ça. Elle m'impressionne toujours avec son rappel. Hein. Wow, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait comme make-up, hein. Vraiment un côté très rock et un noir poudreux. On dirait qu'ils se battent en fait contre ce fameux serpent, comme si c'était un... Ils sont dans une ville désinfectée, vraiment détruite. Hein. Ouais, le code couleur de leur tenue, c'est noir, blanc, rouge. Ça fait très rock, hein. Wow.
comme... Ouh. Ouh. Po, 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 po. Wow, ils ont des chaînes. Oh bordel. Il y a le serpent qui a fait pire, tu prêt? C'est décidé, tu es à moi. Oh. Oh, 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 elle est emprisonnée et t'as tout le serpent qui est autour. Et au début du MV, elle n'était pas emprisonnée, hein. Si, je pense que je me trompe. Je pense qu'au début, elle était emprisonnée, ouais. Et là, elle est toujours emprisonnée à la fin. Donc tout le long du MV, c'est comme si elle était libre, mais en fait, elle est emprisonnée par ce serpent maléfique. Et toutes les membres doivent essayer de la sauver. Je ne sais pas où ils sont tous enfermés, quelque part. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai kiffé ma life, là. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de son, ce genre de girls group. Carrément, mais badass. Là, on avait vraiment un côté pop rock, je trouve, mais en même temps, avec un trop assez spécifique, un peu techno, enfin, il y avait un peu de tout. Je le redis, je suis pas une spécialiste de la musique, je suis pas non plus comme les grands youtubeurs BG et Monsieur Parapluie, si vous connaissez, eux, ce sont plus des professionnels dans la chanson, enfin, surtout Monsieur Parapluie, si je comprends un peu, mais eux, ils ont une meilleure analyse et savent mieux parler avec des meilleurs termes que moi. Moi, c'est juste pour le kiff que je fais cette chaîne, les gars. Voilà, ça me va très bien comme ça. Au niveau de la chanson, je peux vous dire que oui, j'ai beaucoup aimé. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait une traduction en français. C'est dommage, ils ne traduisaient pas l'anglais. Bon, c'est pas grave. Personnellement, j'ai bien aimé les paroles. J'ai besoin de toi, je suis à toi, je suis enchaînée à toi. Enfin, je te dis, ça t'a pas en couille un petit peu ces paroles. Mais il y avait vraiment ce côté très adulte, mature, badass, carrément mais hypnotisant, je trouve. Au niveau du MV, il n'y a rien à dire. Vraiment, j'aime tout, 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 tout. T'as vraiment ce serpent qui était bien présent. Toutes ces chaînes, tu fais comme ça, la chaîne, tu voyais la chaîne comme ça, et puis qui se transformait en serpent, comme si c'était eux qui maniaient ces serpents, comme si c'était des déesses de serpents. Et j'étais là en mode, ouhou, waouh, 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 waouh. Je disais pendant ma réaction, quand j'étais la première fois en Thaïlande, hein, en 2018 ou 2017, quelque chose comme ça, on avait été dans un village, dans une montagne qui était assez abandonnée. Et ce qui était marrant, t'avais vraiment plein de villageois, ils ont pas trop l'habitude de voir aussi des étrangers. Et t'avais un truc touristique, hein. Oui, c'est un peu con quand je dis pas beaucoup d'étrangers et touristiques, mais bon, quand il y a des étrangers, ils font vraiment tout le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y avait une dame qui faisait payer les gens pour porter son serpent, en fait. Donc, c'était pas cher du tout, c'était même pas 2-3 euros, je pense. Et alors, j'aurais pris le serpent autour de moi, mais il était géant, je le prenais comme ça et tout. Je lui caressais et tout, et ça me faisait des petits bisous avec sa langue, mais vraiment trop mignon. On a l'impression que quand tu le touches, c'est froid, c'est visqueux, mais pas du tout. C'est vraiment une texture assez spéciale, mais moi j'avais adoré de faire ça. Je pensais jamais une fois faire ça dans ma vie, mais j'avais adoré. Si je retrouve une fois les photos, j'essaierai peut-être mettre ça sur Instagram et tout. C'est vrai que je poste pas mes photos de vacances, mais un jour quand j'aurai vraiment le temps, je pense que je le ferai vraiment. Je vous promets tellement de choses, mais c'est parce que je suis vraiment il y a un gros manque de temps pour tout ça, hein. Si je pouvais avoir des journées entières et faire pause sur le temps pour vraiment faire tout ce que j'avais envie, ce serait vraiment génial. Mais reprenons, oui, vraiment ce côté serpent, ce côté crac, et puis vraiment la chorégraphie qui était vraiment très 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 chouette, leur tenue vraiment géniale. À la fin, tu voyais vraiment qu'ils faisaient une chorégraphie avec des chaînes. Ça doit être chiant de porter ça. Oui, je suppose que c'est pas lourd du tout, c'est un accessoire léger, mais même ça doit te prendre dans les bras et tout. Donc franchement, chapeau, même avec les danseurs, ça donnait une autre dimension à cette chorégraphie. J'ai beaucoup aimé ce côté très sombre, très Halloween, je dirais même, et en même temps désinfecté, abandonné, comme si tu faisais de l'urbex. Non, franchement, personnellement, rien à redire, j'ai adoré. Vous, je sais pas, hein, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est dans le refrain, t'avais deux refrains en fait. T'avais un pré-refrain et puis un deuxième refrain qui faisait beaucoup plus rythmé. C'était vraiment sympa entre la transition. Ah,
Bon, alors, au niveau de leur nouvelle EP, il est composé de 6 titres. Et effectivement, les titres que je vois là qui sortiront le 1er, le 8, le 16 et le 23 en MV sont sur cet album. Donc, on aura sûrement droit à d'autres MV. Donc, je n'écouterai pas l'album. J'attendrai que tous les MV que je fasse la réaction soient sortis pour vraiment découvrir sur l'instant présent. Alors, au niveau de l'album, alors franchement, le single, j'aime beaucoup. Certes, vous allez me dire, mais pour un thème, c'est trop simple. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment la police utilisée pour le titre de l'album. On dirait tous des petits fils comme si on avait cousu à la main. La couleur un peu en orange, pêche, papaye, je trouve ça super joli. On voit vraiment comme s'il y avait un débris, comme si on avait, il y avait un miroir devant toi et on avait pris cette chaîne qui est en X comme ça et qu'on l'avait foncé dans la vitre et c'est pour ça qu'il y a cet éclat. Certes, c'est très simple, mais ça va tout simplement avec la thématique de ce qu'on a vu dans le MV. Donc moi, quand il y a un lien, j'aime beaucoup, simple mais efficace. Voilà. Et vous, mes chers Mélimélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement du retour des Crexy avec leur titre Undercover et leur troisième mini-album? Si vous, il y avait d'autres titres que vous aimez de cet album, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, en tout cas, je vais pas l'écouter maintenant. J'attends que toutes les sorties en MV, si mon site est cohérent, sortent. Et je ferai les réactions évidemment, donc rendez-vous au 1er septembre pour Lions. Qu'est-ce que vous pensez également de leur concept du MV et également de toutes ces chaînes, de ce serpent? Si vous avez d'autres analyses, déductions que vous avez mieux compris que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis... au revoir, papa, c'est marrant.